J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un livre, dans le fond, qui a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt sur mon compte Twitter et mon Instagram. C'est un livre que je vous avais présenté lors de mon haul en Californie. Il s'agit bien sûr du Wreck This Journal de l'auteur Kerry Smith. En fait, c'est un livre que j'ai acheté à Noël. Je l'avais vu pour la première fois sur le compte de Swatch and Learn, qui est un blog administré par Mary. Elle est canadienne, puis elle avait parlé de ce livre-là comme étant un exutoire anti-perfectionnisme. Alors, je savais très bien que je devais mettre la main dessus. Ce livre-là, on m'a demandé beaucoup où il était disponible. La version anglaise est disponible au Chapters ou encore chez Indigo pour environ entre 11 et 15 $. Sinon, vous pouvez trouver la version française du carnet qui s'appelle Saccage ce carnet chez Archambault pour environ 16 $. Ou vous pouvez toujours vous rabattre sur Amazon qui le vend aussi. Donc, je vais vous présenter rapidement le livre. Je ne veux pas vous montrer trop de pages pour éviter de gâcher un peu la surprise, mais je vais vous montrer quelques exemples de pages à l'intérieur. Donc, premièrement, le livre se présente comme ça. Donc, c'est comme un petit carnet, un petit journal. Il est en matériel, comme dans le fond, un paperback book, comme on pourrait dire. Donc, il est comme un peu plastifié. Puis si vous remarquez, un petit détail qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a comme on dirait que c'est du vrai tape. Donc, ça a été comme embossé, comme si c'était du vrai tape qu'on avait collé par-dessus le livre. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Puis, quand vous allez le prendre dans vos mains, si jamais vous le prenez, vous allez voir qu'entre le H et le I, il y a comme un petit cheveu. Puis, c'est drôle parce que Mary, quand elle l'avait présenté, elle avait dit qu'elle avait essayé de, justement, essuyer le livre pour enlever le petit cheveu, mais ça fait vraiment partie du livre, donc... Vous comprenez déjà le principe, le but c'est pas qu'il soit parfait, il est déjà fait imparfait pour juste vous gosser là, en tant que perfectionniste. Peut-être que je suis toute seule de ma gang, mais honnêtement, comme ce livre-là, c'est une révélation pour moi. Je vais vous montrer l'intérieur, j'ai déjà commencé. Le mantra du livre c'est « To create is to destroy ». Puis pour être sûre de m'en souvenir, je l'ai écrit tout dans la couverture, juste pour dire qu'il était pas parfait, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, écrire dans une couverture. Dans le fond, c'est ça. Le but du livre, c'est de suivre les instructions. Ça se peut que le livre devienne mouillé, ça se peut qu'il devienne sale, ça se peut que vous ayez à le déchirer, à cracher dedans, à faire plein de choses que vous remettez en question, mais faut pas, faut juste se laisser aller, puis pas trop réfléchir, juste y aller avec notre instinct. Donc, c'est ce qui est un exutoire dans le fond, parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai un livre en ma possession, je veux toujours qu'il reste parfait, qu'il reste propre. Pas écrire dedans trop, qu'il soit vraiment, tu sais, en bonne condition. Mais là, c'est l'occasion ou jamais de détruire quelque chose. Ici, il fallait que j'écrive mon nom de différentes façons, donc en blanc, de façon illisible, en très grosses lettres, très 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 pâle. Puis je me suis même trompée en remplissant les catégories. Vous voyez, il y en a deux là que j'ai comme inversé là. Donc ça commençait bien, mais ça me dérange pas parce que c'est un fail, mais c'est pas important d'être parfait. Il faut qu'on fasse des erreurs. C'est correct. J'essaie de me convaincre moi-même en vous disant ça. Donc, c'est ça. Les instructions, c'est dans le fond d'amener le livre partout avec nous, de lire les instructions. Si on n'est pas sûr de l'interprétation, ben on y va avec ce qu'on pense. On n'essaie pas trop de réfléchir. On y va vraiment avec notre inspiration, notre instinct du moment. Et j'ai trouvé ça le fun. Surtout, l'ordre n'est pas important. Donc, vous pouvez prendre le livre, commencer à cette page-ci, continuer avec la page juste après, ou retourner en avant, ou peu importe, ça ne dérange pas. Le but, c'est juste de vous amuser. Il faut aussi faire nous-mêmes la pagination. Donc, moi, j'ai commencé avec mon chiffre chanceux, le 8, puis j'ai décidé d'y aller dans le désordre parce que, hein, on se lâche lousse. Une des choses qui m'a fait le plus mal au cœur, puis je pense vraiment que je suis de ma gang, rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas toute seule, une des instructions, c'était « crack the spine ». Ça veut dire de prendre la tranche du livre, puis tu sais, prendre le livre, puis vraiment le craquer comme ça, là, sur toute la longueur. Mais croyez-le ou non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis je me suis pris une note, comme quoi j'ai effectivement jamais fait ça de ma vie. Puis, tu sais, je suis du genre à lire mon livre comme ça, là, juste pour être sûre que je craque pas justement la tranche, là. Ben c'est ça. Je l'ai fait pour la première fois de ma vie. Est-ce que j'ai aimé ça? Je le sais pas encore, je suis en train de me poser la question, mais la tranche est plus parfaite. Puis le livre, quand je le mets comme ça, il ferme pas comme il faut. Puis ça me dérange pas. Je le sais que j'ai l'air folle, mais c'est pas grave. C'est important, le désordre, des fois, dans la vie. Je pourrais vous montrer comme toutes les pages que j'ai faites, mais
je vais garder une petite gêne, je vais vous montrer ça sur Instagram. Le but du livre, comme je vous dis, c'est vraiment d'enlever la perfection de notre vie, de nous permettre de déchirer des pages si ça nous tente. Spoiler alert! Oui, oui, c'est correct. Fait que je sais pas s'il y a un gros marché au Québec, si ça vous intéresse d'acheter ce livre-là, laissez-moi le dans les commentaires. Puis si vous voulez que je vous fasse un vidéo, dans le fond, en cours de route, pour vous montrer un peu mes meilleures pages, simplement faire un petit j'aime sur la vidéo. Comme je vous dis, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos ou acheter le livre, donc soit chez Archambault, Chapters ou encore sur Amazon. Puis faites-moi le signe si jamais vous l'achetez. J'aimerais vraiment, vraiment ça qu'on échange des pages, qu'on se montre nos pages, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, que vous m'envoyez vos photos, ça m'intéresse. Donc, je vais vous tenir au courant comment ça progresse. Je peux vous dire que ça me fait vraiment du bien. Je prends du temps le soir maintenant pour faire mon carnet, puis ça me fait vraiment du bien. Donc, peut-être qu'un jour, je vais chasser la perfection de ma vie, sait-on jamais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, puis que ça a répondu à vos interrogations et à votre curiosité. Donc, on se revoit très très bientôt. Bye!